Bonjour à vous. À partir d'un exemple de trois profils pédologiques réalisés dans une parcelle de vigne bourguignonne, cette vidéo aborde quelques points sur la notion de terroir et climat bourguignon, l'importance du sol, le lieu et la description de ces profils, et pour finir, quelques éléments de réflexion. Mais une approche non exhaustive. Il y a tant de choses à dire, d'ouvrages, d'expériences ou avis qu'il prouve, qui reste amateur. Hein. Je ne suis pas un professionnel de l'image, du son ou du montage, non scientifique. Je ne suis pas non plus un spécialiste du sol. Et le monde souterrain est d'une richesse énorme de composantes et connaissances. Mais plutôt à l'échelle d'une exploitation, l'aspect pratique de terrain, et quelques observations, déductions, incidences ou intérêts qui animent nos préoccupations de tous les jours en tant que vignerons, vinificateurs et également dégustateurs. Nous voici donc dans la petite parcelle qui a servi à faire ces trois profils pédologiques. Alors une petite parcelle qui est plantée en chardonnay pour produire un huis Saint-Georges blanc. Chardonnay qui a été greffé sur le 161-49C, un porte-greffe qui d'ailleurs nous pose d'autres problèmes d'actualité. Il est taillé en mode gobelet, qui est inhabituel pour le chardonnay dans la région. Il est beaucoup plus conduit en guyot simple avec un palissage, mais la configuration de la parcelle nous a incité à le travailler à l'ancienne, en taille gobelet. On est dans une parcelle donc de forme concave, puisqu'on est en fait dans un début d'une petite combe, une sorte de petite vallée, on va dire. Donc ce mouvement de terrain est très marqué ici. Le sol n'est pas entretenu mécaniquement. C'est l'enherbement naturel maîtrisé. D'ailleurs, bon, on voit une grande diversité d'adventices, ce qui n'est pas un mauvais signe d'ailleurs. L'entretien se réalise par de la tonte. Le problème, bien sûr, avec ce genre de couvert végétal, c'est la concurrence qu'il peut y avoir
avec les CEP. Voilà, les trois profils donc réalisés à très faible distance l'un de l'autre, mais qui pourtant ont montré quelques constats vraiment différents, notables, que ce soit par la profondeur de sol, que ce soit la proximité de la roche, bien sûr, ou éventuellement des horizons qui peuvent être différents. Voilà, donc c'est un renseignement complémentaire à toutes les autres analyses qui peuvent être faites ou observations et qui apporte énormément de renseignements précis et appréciables. L'implantation des racines est aussi conditionnée par la nature du porte-greffe, avec les incidences sur l'alimentation minérale, hydrique, période de sécheresse. La présence de certains organismes est indispensable à la vie du sol, mais il faut aussi considérer l'impact négatif à leur développement que peuvent avoir des pratiques, comme par exemple des labours trop fréquents ou excessifs. Ou à l'inverse, la mise en œuvre bénéfique de couverts végétaux, avec toutefois des contraintes importantes dans les vignes à haute densité de plantation, ainsi que la question des effets de ces couverts sur le développement de différentes espèces, vecteurs de virose, mycoplasmes ou autres contaminations. Des horizons contigus, aux caractéristiques et conséquences très différentes, qui nous incitent à prendre certaines précautions, comme lors d'un arrachage, où il convient d'éviter au mieux tout bouleversement de ses propriétés, composante du terroir. La connaissance de l'implantation des racines est importante, mais l'appréciation de la qualité ou rhizosphère de celle-ci ne l'est pas moins. Question d'efficience. Les informations complémentaires d'un profil peuvent nous conduire à adapter nos choix et mises en œuvre de fertilisation ou amendement. L'observation de la texture d'un sol explique pour partie l'exploitation de celui-ci par les racines. Mais le facteur de compacité est également à prendre en compte. Si des situations marquées de terrain permettent de constater des différences importantes, il ne faut pas croire que dans d'autres secteurs, reconnus et délimités, plus étendus et à morphologie moins prononcée, des variantes de sol notables ne soient également observées. Cela fait partie de la connaissance plus précise et nécessaire des terroirs, où délimitation n'est pas toujours synonyme d'homogénéité parfaite.
L'impact de ces variantes se constate, par exemple, lors de la pratique d'un labour, par les influences de la météorologie et du développement de la vigne, avec des conséquences hiérarchiques ou typicités organoleptiques, qui orientent aussi vers des décisions œnologiques capitales, comme les dates de vendange, pigeage, pressurage ou élevage. Toujours dans le souci d'exprimer au mieux la diversité et complexité offerte par ces nuances de sol. Bien sûr, les conditions météorologiques de l'année, générales ou locales, apportent également cette touche unique à prendre en considération dans nos choix, adaptations et actions. Le terroir, dans ce triptyque avec la vigne et le vigneron, demeure l'un des éléments essentiels de transmission et expression des événements climatiques. Lui apporter une attention constante est une nécessité. Et les évolutions climatiques indéniables que nous vivons, surtout par fréquence ou intensité, rendent d'autant plus cette attention incontournable, dans laquelle les profils pédologiques pourront largement contribuer.